総理大臣をお致しておりました菅直人です。今回第3回韓国世界社会フォーラムにご招待をいただきまして大変光栄に思っております。私はこの福島原発事故が起きるまでは日本の輸出水準はかなり高いのでチェルノブイリのような事故は起こさないで済む、このように考えておりました。しかし実際に福島原発事故が起きてその対応に当たる中で私の考え方が全く間違っていたということを強く思い知らされました。Alors, on a deux heures. Là, je vais faire un peu le maître du temps, donc il va falloir être assez rigoureux. Il y aura des petits moments de débat avec la salle, mais on devra respecter ce temps. Donc je vais me faire un peu haïr, parce que je dirais c'est fini, on passe à quelque chose d'autre, ça fait rien. Ce qu'on appelle le transfert négatif. Donc en gros, on va commencer par la présentation de Bertrand Béhoeust, qui est philosophe et néanmoins un ami aussi, et qui va nous faire un petit travail que tu as intitulé « Notre nouvelle ligne Maginot ». Vous voyez déjà le lien avec le nucléaire militaire, n'est-ce pas ? Et sur les rapports, justement, entre nucléaire et société, il s'agit de prendre un petit peu de distance pour essayer de réfléchir à la fois à notre stratégie et aux enjeux de nos combats. Bon, ça nous prendra trois quarts d'heure. Il y aura un petit échange avec la salle à la fin de l'intervention de Bertrand, mais au bout de trois quarts d'heure, on devra passer à la phase suivante. Alors, en principe, nous avons notre ami Moak qui devrait être là. S'il est là, je lui donnerai la parole pour 10 minutes, pas plus, où il nous présentera un petit peu la conception de la Terre sacrée et de la mer du ciel selon sa société et comment justement le combat contre le nucléaire est lié à ce combat pour les terres sacrées et pour la vie de la planète. Voilà. Et ensuite, je ferai alors un petit exercice pour lequel je vous ai demandé vos petites synthèses. Je rappelle donc qu'il y aura deux choses différentes. Il y aura une synthèse écrite où vous pourrez retravailler les petits textes que vous m'avez envoyés, qu'on mettra sur le site et qui sera constitué de vos textes. Et là, ce que je vais faire, là, c'est un petit résumé à chaud, à partir de vos textes, une petite synthèse. Donc, je ne vais pas lire tous vos textes, je vais les rassembler. Je les ai rassemblés, j'ai travaillé ce matin à cette petite synthèse. C'est un exercice, on verra si c'est utile ou pas. Et je m'appuierai un tout petit peu sur les textes que j'ai reçus à midi, là, puisque pendant que Bertrand va parler, comme je connais son travail, je vais en profiter pour rassembler tout cela. Voilà. Donc ça nous prendra un quart d'heure et on aura les trois quarts d'heure ensuite de réflexion sur comment construire un réseau européen et éventuellement mondial, de quelle manière on peut investir nos énergies justement dans le sens de ce PAIC, comment disperser de manière positive nos énergies en allant en restant en lien, en restant relié. Voilà, donc je passerai la parole à Bernard et à Chico pour qu'ils nous présentent cette partie et on devra terminer effectivement dans 2 heures pile, c'est-à-dire à 20, puisque là j'ai déjà pris 5 minutes. À moi de maîtriser le temps, à vous de m'obéir. Bertrand, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez bien? J'espère que j'ai pas une extinction de voix. Bon, alors, Michel m'a confié la lourde tâche de clôturer cette session, alors que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions qui vous agitent. Et j'ai entendu des représentants ici de cette interrogation qui... Ah bon, ah, d'accord, je peux. Hein. J'ai entendu ici des gens qui ont un immense savoir que je n'ai pas. Alors, je ne vais pas me placer sur le plan des questions techniques, mais je vais prendre du recul et je vais essayer de récapituler ce que je peux faire, un certain nombre d'idées, de principes qui, à mon avis, doivent guider l'action du mouvement antinucléaire. Alors, évidemment, le risque, c'est que j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a une raison profonde que je vais expliquer qui fait qu'on ne peut pas faire l'économie de cette répétition. Alors, les principes que je vais vous rappeler...
c'est ce que les philosophes appellent des arguments dominateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un argument dominateur ? C'est un argument qui condense une immense quantité de faits empiriques, mais c'est une sorte d'affinement du bon sens, en un sens. Et c'est un raisonnement qui est imparable parce qu'il s'adresse à des questions fondamentales qui encadrent la vie humaine. On va revenir sur la question des déchets, vous allez comprendre tout de suite. Vous avez des ingénieurs EDF qui vous démontrent savamment qu'on va garder le contrôle des déchets nucléaires sur des milliers d'années. Et c'est impossible. Voilà. On ne peut pas prendre au sérieux, on ne peut répondre que par un éclat de rire à quelqu'un qui a cette prétention. C'est-à-dire que là, on passe par-dessus les arguments techniques. Donc voilà, il s'agit toujours de se poser au-dessus des arguments techniques en prenant appui sur une expérience historique, sur l'expérience de la vie humaine, sur toutes les contraintes qui l'encadrent. Alors, l'intérêt aussi de cet argument dominateur, c'est donc, en dehors du fait qu'il nous place au-dessus des questions techniques, c'est qu'il permet à chacun de devenir juge en faisant usage de sa raison, c'est-à-dire rendre la question aux citoyens. Dans l'énergie nucléaire nous pose une question absolument redoutable, et il est urgent que la démocratie revienne dans le débat, d'où elle avait été expulsée par l'oligarchie militaro-nucléaire. Alors, la première chose que je vais faire, c'est montrer la puissance du déni auquel nous nous affrontons et son extrême ancienneté. Alors, je vais commencer par ce que Marc Bloch a appelé l'étrange défaite. On va retourner en 1940, mais j'aurais pu aussi monter plus loin dans le passé. Alors, au printemps de 1940, il y a eu une inspection parlementaire qui est allée visiter l'état du front. Et les députés ont remarqué que dans la zone de Charleville-Mézières-Sedan, qui était juste après la ligne Maginot, faiblement défendue, il y avait vraiment des failles considérables. Les casemates n'étaient pas terminées, les hommes n'étaient pas équipés, il n'y avait pas de réserve en arrière suffisante pour endiguer une action. Et ils ont fait part de leur vive inquiétude à l'état-major militaire en leur disant « si jamais il y avait une attaque brutale à cet endroit, le front céderait ». C'est remonté jusqu'au général Hützinger, le général en chef des armées, qui a traité ça par le mépris, et qui a dit « on voit bien que les civils ne connaissent rien aux questions militaires ». Alors que n'a-t-on fait que n'a-t-on écouté les civils ? Donc vous connaissez l'histoire, la suite. Les Allemands ont attaqué en masse à la hauteur de Sedan. Ils ont percé le front. Après avoir appâté l'armée franco-anglaise dans les Ardennes, ils ont enfermé tout le monde dans la nasse. Et en 2 jours à peu près, la bataille était perdue. Et l'Europe tout entière à la merci d'Hitler. Donc c'est d'immenses conséquences. Alors on peut se demander comment une question pareille a été... un truc aussi énorme a été possible. D'accord, oui. L'état-major n'ignorait rien de la disproportion des moyens. Il savait que les Allemands avaient 14 divisions blindées. Nous n'en avions que 3 et pas du tout organisées comme les leurs. Ils avaient vu les Allemands faire la démonstration de la nouvelle Blitzkrieg en Pologne en septembre 1939, donc bombardement des populations civiles, attaques extrêmement brutales avec les chars et les avions, etc. Donc ils avaient 8 mois pour se préparer, 8 mois pour se préparer à la nouvelle Blitzkrieg qu'imposaient les Allemands, et ils n'ont rien fait. On a l'impression en fait qu'ils se sont dit, avec nous, avec la France, vieille nation de civilisation, vieille nation militaire, à la pointe de la technologie, phare du progrès, etc., ils n'oseront pas utiliser ces méthodes de barbares. Eh bien, si, ils ont osé. Donc, et la suite est connue. Donc, si vous voulez, on voit la permanence d'une sorte d'attitude. Les chars de la Wehrmacht étaient censés s'arrêter à la frontière belge, comme les nations neutres, comme chacun le sait, de la même manière que les nuages de Tchernobyl étaient censés s'arrêter à la frontière. Alors, si on regarde un peu la permanence des attitudes à 80 ans de distance, puisque ça nous ramène dans les années 35, cette histoire de ligne Maginot. Donc, on retrouve le même déni de la réalité, la même surdité aux avertissements,
la même obstination dans une stratégie erronée, la même reddition de l'État des intérêts économiques, parce qu'évidemment, sur la ligne Maginot, il y a eu de colossaux, des investissements énormes qui ont fait la fortune, évidemment, de certains industriels. La même inconscience devant les périls qui s'accumulent. Et finalement, le retour aux mêmes arguments, à la même rhétorique, avec la France, avec son État tout-puissant, avec son armée, qui était réputée comme la meilleure du monde à l'époque, la plus puissante, une telle catastrophe est impossible, impensable. C'est bon pour les nations un peu attardées, comme les Polonais, etc. Alors, il reste, pour parfaire le parallèle, à revenir sur la collusion des militaires et des lobbies industriels, donc. Puisque, ce qu'on constate, c'est que le Parlement est mis à l'écart, qu'il n'y a pas de décision collective. Tout se fait dans le secret. À l'époque de la ligne Maginot, ça pouvait encore se comprendre parce qu'il y avait un voisin menaçant avec un pouvoir terrifiant. Mais après, avec l'essor des centrales à partir des années 70-80, il n'y a plus de raison d'avoir ce secret, mais il se poursuit. On continue de gérer comme si on était en guerre, en fait. Donc, l'atome civil, donc, comme on le sait, le fils illégal des inavoués des militaires. Et aujourd'hui, on voit que l'affaire est gérée comme si on était en guerre, comme s'il y avait un secret à garder. Donc, je résume mon propos. L'industrie nucléaire est notre nouvelle ligne Maginot, avec tout ce que cela implique. Alors, cette permanence historique est tellement profonde que ça permet, malheureusement, de se faire une idée de ce qui va se passer. Une prédiction assez sombre, c'est-à-dire qu'ils vont continuer obstinément dans leur direction jusqu'à la catastrophe qui est déjà engagée, comme on l'a dit à plusieurs reprises pendant ces journées. Ils vont aller jusqu'au bout. Alors, on espère que la catastrophe ne sera qu'industrielle, qu'économique. Ça sera déjà très lourd. Mais on ne peut pas exclure un Fukushima à la française. Et là, on a une énorme responsabilité. Donc, parce qu'en plus si vous voulez, de la même manière que la France était un peu... était garante de l'Europe, c'était la seule armée qui pouvait affronter celle d'Hitler. Elle ne s'est pas donné les moyens. On sait ce qui s'en a découlé. Et bien, de la même façon, l'Europe est responsable devant les nations européennes. Si jamais il y avait un Fukushima, ou même quelque chose de beaucoup moins grave, ça mettrait une tache indélébile sur notre histoire, comme l'effondrement de 40. Voilà. Donc, cette permanence d'une attitude à travers l'histoire permet de parier sur ce qui va se passer en réalité. Ils iront jusqu'au bout, je pense. Alors, j'en viens maintenant à l'argument fondamental pour lequel on doit rejeter le nucléaire. Bon, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais peut-être est-il bon de faire répéter tout ça. C'est l'irrationalité abyssale sur laquelle repose toute cette affaire. Alors, abyssale se dit de ce qui n'a pas de fond, de ce qui ne peut pas être analysé, sondé. Alors, il y a tellement de raisons qu'on a de refuser le nucléaire, tellement, qu'on ne peut pas toutes les sonder. Mais une seule de ces raisons devrait suffire à arrêter l'opération. Alors, je les récapitule rapidement. On ne peut pas sonder le risque nucléaire pour les raisons suivantes. Bon, parce qu'on ne peut pas prévoir l'évolution de la société et savoir dans quelle mesure nos descendants seront capables d'y faire face. Parce qu'on ne peut pas évaluer les effets produits dans la longue durée sur les organismes vivants et les substances radioactives que nous avons disséminées dans la nature. Parce que les chaînes d'événements qui peuvent nous mener à une catastrophe sont marquées du signe irrémédiable de la contingence. Ça, je reviendrai sur ce point. Je repense toujours à cette histoire je ne sais pas si c'est complètement une légende ou pas, l'histoire du rat de Fukushima qui aurait rongé le câble électrique qui permettait l'arrosage du réacteur en fusion à Fukushima. Donc, à un moment donné, le sort de la planète a dépendu d'un rat qui était en train de ronger le câble. Si ça n'a pas eu lieu, ça peut avoir lieu. Donc, on peut continuer. Parce que les réserves d'uranium seront bientôt épuisées.
parce que le coût réel de l'énergie nucléaire devient considérable. Si on prend le cas évidemment du démantèlement des centrales, parce que techniquement le démantèlement des centrales est sinon difficile, du moins d'une extrême difficulté, et qu'il provoquera une dissémination supplémentaire des déchets. Donc on est dans un piège, on ne peut plus vraiment en sortir sans dégâts. Parce que là, le choix du nucléaire. Le choix du nucléaire repose ainsi sur une série de paris en réalité. Une série de paris. Et donc, à nouveau, c'est pari, on peut en faire la liste, que la société nucléarisée restera stable pendant des durées considérables, qu'aucun accident majeur ne surviendra pour bouleverser cet ordre, que la technologie de demain permettra de résoudre les problèmes que l'on ne sait pas résoudre aujourd'hui, et surtout de réparer les nuisances de la technologie d'hier. C'est ce que j'appelle l'idée de la correction infinie, qui est derrière toute la discussion écologique, c'est-à-dire, quels que soient les dégâts commis par la technologie envers la nature, envers l'espèce humaine, une technologie supérieure permettra de les réparer. C'est ce que j'appelle la correction infinie. Je pense que c'est une fuite à l'abîme et que c'est impossible. La personne qui arrivera à faire la démonstration de l'impossibilité de cette correction infinie mériterait un prix Nobel de la paix, certainement. Alors, on parie aussi que nos descendants continueront de vivre et d'agir avec nos motivations, qu'il n'y aura plus jamais de guerre, nationale ou internationale, de crise économique, d'accidents climatiques ou cosmiques, comme par exemple la chute d'un météorite comme celui qui a percuté la Sibérie en 2008 et qui a soufflé la surface de la Belgique. Imaginez que ça tombe sur une zone industrielle. Que l'on saura régler la question des déchets, etc., etc. Donc, pour finir, on suppose que la réalité tout entière est pour toujours sous le contrôle de la rationalité instrumentale et de la gouvernance rationnelle. Alors, cet ensemble de paris est perdu d'avance. Aucune de ces données déjà prises séparément ne peut être totalement mise sous notre contrôle et leur synergie est évidemment impossible à contrôler. Donc, j'en reviens à la question de la contingence. J'avais fait un papier à l'occasion d'une réunion comme ça que j'avais appelé la vague de Fukushima. Si elle eût été plus haute, la face du monde en eût été changée, en parodiant une phrase célèbre de Pascal. Donc le hasard a bien voulu, si on peut dire s'exprimer en ces termes, que la vague du tsunami n'a détruit que 4 réacteurs. Mais il peut y avoir des vagues plus hautes. Et si, par exemple, la vague en avait détruit 4, 8 ou 10, qu'ils soient mis à fondre et à perforer leurs cuves, il aurait fallu évacuer la côte japonaise, qui serait devenue inhabitable, il aurait fallu évacuer Tokyo. Soit dit en passant, le premier ministre japonais a reconnu qu'à un moment donné, il a pensé que c'était inéluctable. Donc, l'économie japonaise se serait effondrée, il y aurait probablement eu un crash mondial, enfin bref, tout le système sur lequel nous vivons actuellement serait par terre. C'est le pur hasard qui a fait qu'il en est ainsi. Donc on ne peut pas décemment fonctionner sur un système qui repose sur un système que des contingences peuvent abolir à tout moment. C'est impossible. Ça n'est pas justifiable. C'est ce que j'appelle l'argument dominateur. On n'a pas besoin d'être ingénieur d'EDF pour le savoir, ou peut-être mieux même ne pas l'être. Alors, ce qui est fascinant dans cette irrationalité abyssale, c'est quelle est la forme la plus avancée, en fait, de la rationalité instrumentale occidentale, et en même temps le moment où cette rationalité s'inverse en son contraire. Une forme de rationalité qui se caractérise par le fait qu'elle se focalise exclusivement sur des procédures à court terme, en ignorant complètement le long terme. C'est là la folie. Il y a un philosophe peu connu que j'admire beaucoup, qui est Raymond Ruyer, qui distinguait deux formes, de deux attitudes. L'intelligence vernissée de bêtise, qui caractériserait souvent l'attitude populaire, c'est-à-dire le bon sens populaire, et la bêtise vernissée d'intelligence, qui serait souvent le fait de nos élites. Et là, je pense qu'on est dans le cas, avec le nucléaire, de,
de la bêtise vernissée de l'intelligence. Beaucoup de rationalité qui cache une folie totale. Alors, ça donne un principe d'action, en fait. Je vais conclure là-dessus. Le principe d'action, c'est que il faut repérer le maillon de la chaîne le plus fragile. La chaîne, une chaîne, comme tout le monde le sait, a la solidité de son maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, c'est évidemment la question des déchets. Alors, déjà, l'ensemble de toute cette affaire est absurde, mais là, c'est l'absurde dans l'absurde. J'ai vraiment entendu un ingénieur, un jour, à une discussion à la télé, je crois, EDF, un ingénieur d'EDF, prétendre qu'on allait pouvoir garder le contrôle de ces déchets pour des dizaines de milliers d'années. On ne discute pas ce genre d'argument. Voilà. On ne discute pas ce genre d'argument. On ne peut le traiter que par le mépris ou l'ironie. Bon, on doit appeler le SAMU quand on entend une chose comme ça. Donc il faut en finir avec ce genre de discussion. Et je pense que le type d'action qu'on a commencé tout à l'heure de façon artisanale, mais assez réussie, ça doit être démultiplié, c'est de traiter la chose par la dérision. Ce n'est pas possible, ce ne sont plus des interlocuteurs. Ils sont sortis de la rationalité commune. Donc c'est parce que nous sommes dans un point de folie de notre société. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur cette question. Alors, on va faire un petit quart d'heure de questions. Hein, c'est ce que Bertrand avait proposé. C'est pour ça qu'il était un petit peu court. Donc, s'il y a des questions, voilà, je vais faire moi-même le boulot en passant le micro. Ça ira plus vite. Moi, je vais poser une question philosophique de base. C'est que je vois à la tribune que des mecs, encore une fois. J'ai été prête à emmener les filles s'asseoir autour parce que j'en ai marre, moi, de ça. Hein? Ben, moi, j'y vais, mais je voudrais que d'autres filles viennent avec moi. Merde. Alors, qui est-ce qui vient? On ne peut pas. Non, mais c'est... Moi, je veux bien que tu provoques, ça ne me gêne pas du tout. Je pense qu'il y a souvent des femmes, il y en a eu hier en abondance, et là maintenant, vous êtes bienvenus, allez vous asseoir à 5, 6, 7 femmes, aucun problème. Autre question? Ah ben, je ne sais pas, je crois qu'elle avait fini, il me semble. Puisqu'elle monte à la tribune, c'est pour la salle la parole maintenant. Donc, qui est-ce qui veut prendre la parole? Je ne vois pas qui veut prendre la parole. Tu veux? I have here a paper for all the women that have involved in anti-nuclear movement. I'm doing a research and I would like to have your details and to come with you for the future. I'm going up. I live here. If you want. Très bien. Autre intervention. Bah, il y a cabines, il me semble, non? Ah ben bah, moi je sais pas traduire. Tu veux traduire, André? T'as pas suivi? Non, moi je veux bien qu'on déconne, mais il faut essayer d'être un tout petit peu sérieux. Donc si tu veux traduire, tu traduis, puis après on pose une autre question. Bon, elle a juste dit qu'elle a une liste pour les femmes, qu'elle compte sur les femmes pour pouvoir signer dessus et travailler ensemble. Voilà. Bien. On peut changer de sujet. Je rappelle qu'il s'agit de poser des questions sur l'intervention de Bertrand Meus. Mais bon, si on n'a pas de questions à poser à Bertrand, on peut passer au thème suivant, donc. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exposé Bertrand Meus? Là-bas? Non, mais on a prévu un débat, on le fait. Oui, je vais élever le débat. Moi, je vais élever le débat
Moi, j'ai eu une conversation devant la SN à Paris avec un représentant de l'ANDRA. Il m'a dit que ce serait 100 000 ans sans problème, la conservation des déchets. Qu'est-ce qu'on doit faire là, quand on a ce type d'interlocuteur ? Je dis, c'est pas une question, c'est une révélation qu'on m'a faite devant la SN à Paris. Un représentant de l'ANDRA m'a dit 100 000 ans de. Pour 100 000 ans à Bure, les déchets seront conservés dans leur état. Tu veux réagir, Bertrand ? Non ? Bien. On le laisse réagir. Alors, non, attends, on essaye de débattre. Excusez-moi. Non, mais si tu veux le micro, tu lèves la main. Parce qu'à l'appartement, là, il y a une demande. Je passe la parole. Viens t'asseoir et je te donnerai le micro. C'est très court. On a passé 3 jours ensemble qui étaient très riches. Et j'aimerais bien que le plénière, c'est aussi riche. Et j'aimerais bien qu'on continue avec le résumé et on discute après, à la fin. On est limité jusqu'à 16h15 et c'est dommage. Alors, je suis heureuse qu'il y a des femmes maintenant parce que c'était un peu vide devant. Mais j'aimerais bien qu'on continue. Il faut qu'elles s'assoient d'ailleurs, les femmes. Oui, alors asseyez-vous s'il vous plaît. On va continuer avec le plénière peut-être. Voilà. Donc, il y avait une demande de questions là-bas et ensuite... ici. Hello, I'm going to speak in English. Do you understand me? I'm going to speak in English. My French is not good at all. I think that we need to think, or we need to make a deep thinking of the problem of risk in this in our modern societies. And democracy. Sometimes we have arguments, debate with pro-nuclear people, nuclear industry. They say, okay, take an airplane is more risky, that's true, than living close to a nuclear power plant, that's true. But yeah, taking an airplane is more risky, more dangerous, than living close to a nuclear power plant, which is true, in fact. But we need a reflection on the point that when I take an airplane, I accept the risk. So there is some democratic acceptance of the risk. You can accept the risk democratically, or you can refuse to take these risks. When you live close to a nuclear power plant, which is also extensible to other installations, like I don't know any. Dangerous installation, petrol, gas, any other one, you are not assessing this risk. This is imposed to you. And I think this is an important point to reflect about, because to think about, because this enough should be, this should be enough to avoid this kind of dangerous installations, dangerous facilities. Of course, there are a lot of risks, some of them you know, some of them you don't, but at least in this case, you can tell what you think, you can make your opposition, and you can tell the decision makers that you wouldn't accept this kind of risk. Non. Là, il faut vraiment passer à ce qu'a dit la dame, je crois que c'est le faux. Non, alors, il n'y a pas de problème. Je rappelle que nous avons encore 10 minutes de débat, on en fait ce qu'on en veut. Il y a des questions, je suis désolé. Si tu as envie d'intervenir, tu interviens, mais là, on traite les questions. Après, dans 10 minutes, on arrêtera. Et je voulais aussi souligner que monsieur essaye de nous aider. Les interprètes ne peuvent pas vous interpréter si vous ne parlez pas dans un micro, tout simplement parce qu'on ne vous entend pas en cabine. Donc je suis tout à fait désolée si vous êtes là-haut et que c'est difficile d'avoir le micro, il faut descendre. Et également pour le public francophone, l'interprétation est également faite en français.
Donc il suffit d'aller prendre un casque et on a mes collègues qui travaillent en cabine pour permettre à tout le monde de s'exprimer dans la langue la plus facile pour eux. Merci beaucoup. Donc je donne le micro à ceux qui demandent la parole comme pour faciliter effectivement les discussions. Donc est-ce que tu veux répondre, Bertrand, à la question qui a été posée par le monsieur ? Bon, alors on laisse. Attends, il te faut parler dans le micro. Avoir tout compris, je crois qu'il a évalué, il parle de la question des risques. Quand on prend l'avion, on doit prendre courir un risque, etc. Mais il y a des parties qui m'ont échappé. Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il a voulu dire. Donc je suis désolé, je ne peux pas répondre. Tu préfères ne pas répondre. Bon, ben tant pis. Si quelqu'un peut résumer, moi je n'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un peut résumer ? Tu résumes ? C'est la question du choix. C'est assez simple. Si je veux aller en avion, je choisis d'aller en avion. Je cours effectivement un risque, ouais. Mais c'est un choix que j'ai fait. Par contre, si on construit une centrale, si on construit une centrale nucléaire à proximité ou dans un rayon de quelques dizaines ou centaines de kilomètres, ce choix-là, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas fait. Donc, on ne peut pas comparer les deux risques. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Justement, c'est parce qu'il y a pas, la démocratie n'est pas présente dans cette discussion. Oui. Donc, pas de commentaire. Je suis d'accord. Très bien. Oui, je donne dans l'ordre des demandes. Il reste 6 minutes pour que, en fonction du temps, vous aurez la parole ou pas. Oui, on a eu ici un recadrage général au plan des idées philosophiques, ce qui est toujours intéressant. Mais à mon avis, un peu trop centré sur la France. Et je rappelle qu'on est dans un forum mondial ici et que le forum mondial, ça touche tous les pays qui sont impactés par le nucléaire. Ça touche évidemment les hommes et les femmes et encore plus les femmes parce que les femmes et les enfants sont les premiers impactés par la radioactivité. Et ça touche aussi les jeunes, parce que avoir la tête qu'on a en majorité, elles sont un peu trop blanches, et nos voix commencent à devenir chevrotantes, donc il faut laisser un peu la place aux jeunes. Donc j'aimerais qu'on recadre et qu'on arrête la discussion générale et les prises d'engueulade, c'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est toi qui l'as, et essayer d'arriver à la restitution des ateliers le plus rapidement possible, et pour aller vers l'avenir, vers des motions, et la poursuite du travail du Forum social. Ouais, mais... je suis désolé, mais ce que tu dis est hors sujet. J'ai présenté tout à l'heure le programme. Il y a là encore 5 minutes de discussion. Non, je suis désolé, je suis le programme. Donc je passe la parole à qui la demande. Je m'en fous. Je ne vais pas chier, je donne la parole à qui la demande, c'est tout. Moi, ça va être très... Ça marche ? Ça va être très court. C'est une réponse à la copine de tout à l'heure, parisienne. Un jour, je parlais avec le directeur à l'université de le directeur du laboratoire d'argile très pro d'études sur l'argile très pro nucléaire, et je lui disais, enfin, je lui posais une question. Il me répond. « Oh, mais madame, vous donnez beaucoup trop d'importance à l'humanité. Il y a une autre espèce à vivement nous remplacer. » Je pense que derrière la tête de ces gens-là, c'est ce qu'il y a comme raisonnement. Ils ont fait une croix sur le... Maintenant, c'est bouclé. Pour nous, il n'y a plus qu'à passer... Il n'y a plus qu'à faire un feu d'artifice pour clôturer. Merci, Francesca. Levez la main, parce que si vous ne levez pas la main, je ne vois pas. Mais moi, je voudrais juste revenir sur un point qu'a souligné... M. Meest. Vous parlez de l'irrationalité de leurs arguments, ce qui est tout à fait exact. Mais alors, si on ne peut pas opposer d'arguments, on ne peut opposer qu'une vision du monde. Et ce qui veut dire que, quand on lutte, ce qu'il faut, c'est proposer une autre vision du monde. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est évident, oui. Je n'ai pas rien à ajouter. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Bien, dernière intervention. Oui. Oui, c'était pour aller exactement dans le même sens. Je pense que, en partie, les arguments qui sont avancés par ces gens-là sont fondés sur des raisonnements, des études scientifiques plus ou moins questionnables. Hein. Mais, justement, l'argumentaire peut être très irrationnel, mais il est basé sur des trucs qui semblent rationnels au grand public. Donc, il faut pouvoir aller chercher, creuser leurs arguments pour les démonter de l'intérieur au lieu de juste fermer comme ça. Enfin, c'est juste un avis. Au lieu de les fermer comme ça, parce que sinon, nous aussi, on perd crédibilité et on peut facilement passer pour des personnes fermées d'esprit qui ne croient que, je sais pas quel gourou de l'antinucléaire. Oui, non, mais bien entendu, ce que je voulais dire, il faut faire les deux, c'est évident. Il faut toujours répondre aux arguments, mais il faut faire les deux. Il faut traiter par la dérision aussi, un certain niveau d'absurdité. Je ne crois pas qu'on puisse justifier d'une façon ou d'une autre le maintien des déchets sur des milliers d'années. Ça ne peut pas se discuter, c'est tellement absurde. Mais bon, on peut argumenter pourquoi, hein, d'accord. On peut argumenter pourquoi, même dans le détail du détail. Bien, donc ce petit échange étant fini, on va passer à la phase suivante. Donc, tu avais prévu donc de faire une petite intervention, pas plus de 10 minutes. Hein. Si tu fais plus vite, c'est parfait, mais dans le micro. Tu te présentes toi-même. Ok. Bon, je m'appelle Raymond Stoney-Wassa, je suis un liaison bénévole science et politique pour le conseil traditionnel Ganyagaraga. Mohawk, c'est le mot imposé sur la nation, comme notre ami Léona des dîners du sud des États-Unis, en tout cas l'a dit hier soir, quasiment toutes les nations autochtones, je ne crois pas simplement dans les soi-disant Amériques, doivent cohabiter avec un nom propre, un nom vrai qu'on a pour soi-même et aussi le nom qu'on nous impose. Donc, le vrai nom de la nation avec laquelle je suis ami, parce que je suis Canadien-Anglais d'origine japonaise avec des parents, grands-parents, pardonnez-moi, du côté paternel d'Hiroshima. Okay? Je suis un ami de cette nation, Ganyagaraga, qui est la nation qui fait partie d'une confédération qui a réellement accueilli il y a 400 ans, les Européens, avec une proposition de cohabitation qui s'appelle le Wampum à deux voix. C'est un traité qui est reconnu maintenant et qui a toujours été reconnu parce que les Hollandais qui sont venus autour de New York, la nation Ganyagaraga est originaire du centre de New York, de la vallée de Hudson, la rivière Hudson, mais a dû se répandre partout dans l'est des États-Unis ou du Canada. Mais juste pour vous dire que les premiers accords de paix, un peu universels, si on peut comprendre le contexte européen et autochtone, avaient lieu dans cet est, de nord-est du continent, ce qu'on appelle l'Amérique du Nord. Okay? Et ça s'appelle le Wampum à deux voix parce que c'est les autochtones se sont rendus compte que les mentalités étaient tellement différentes que pour ne pas s'anéantir avec la guerre, il fallait avoir un accord où les peuples pouvaient vivre l'un à côté de l'autre en parallèle. Mais sans que je mette, et je vous demande beaucoup de patience parce que moi, je suis Canadien-Anglais. Hein, j'ai d'ailleurs même j'ai fini mes études en français ici en France, à Strasbourg. Hein. Mais le Canadien ou l'Américain, les nouveaux peuples, on n'a pas à oublier du tout nos origines, moi, japonaise, irlandaise du côté de ma mère. Et ça, c'est mon frère amérindien, Stuart, qui est le premier à me rappeler. Il dit, je ne veux pas que tu deviennes, tu peux être adopté dans ma nation, dans ma confédération, et tu feras comme nous, et tu auras énormément de privilèges. Okay? Mais je ne voudrais jamais que tu n'oublies tes origines japonaises, tes origines écossaises aussi et même anglaises, autrement dit européennes,
eurasiatique, mes origines, et je me sens très lié par ailleurs à ce thème de colloque parce que mes grands-parents, à nouveau, venaient de Hiroshima. Hein. Bon, ce que j'essaie de vous dire à travers toute cette introduction un peu trop longue, mais c'est que dans les soi-disant Amériques d'aujourd'hui, aussi bien les États-Unis des Amériques que le Canada sont tenus à respecter ce premier accord qui est avant tout un accord spirituel, OK, d'esprit. On est de l'esprit, qu'on est seulement différents les uns des autres, mais on vous respecte, même on vous admire beaucoup. Moi, je fais semblant d'être l'ancêtre de mon ami Stuart Mayo du Conseil traditionnel, OK? Mais on vous admire, et la couleur blanche chez nous est super vénérée, et vous avez la peau blanche, et vous venez de loin, on sait que vous venez de loin. Mais il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à ici. Votre identité n'est pas liée à votre polarité, hein, n'est pas lié à ce territoire. N'oubliez jamais vos racines, mais n'oublions jamais nous tous, c'est-à-dire nous, les gens qui vous accueillons et vous, les nouveaux venants, que notre véritable racine, c'est la terre-mère. Notre véritable racine, ce qui nous fait un autochtone, tout un chacun de la planète, et par conséquent, nous avons tous, toutes et tous, et en fait, je dis bravo aux dames de se manifester parce que la présence et surtout le conseil des femmes est primordial pour qu'il y ait un équilibre à la fois politique mais aussi écologique. Pour que la terre soit protégée, les femmes doivent avoir leur voix. Si moi j'ai ma voix ici, là, il y a un programme, il n'y a pas de problème, il y a un programme, on essaie peut-être tous de faire trop avec si peu de temps, mais il y a une réalité, c'est que moi je ne serais pas ici sans ma mère, ben, elle n'aurait pas été là sans sa mère non plus, mais il y a un respect, toutes les femmes sont les mères de nos nations, de la toute petite fille qui a 6 heures de naissance jusqu'à la dame qui a 106 ans. En fait, d'expérience sur cette terre. Et si nous n'oublions pas ça, en n'oubliant pas ça, nous ne nous égarerons jamais trop de l'équilibre qu'il nous faut pour nous dénucléariser. OK? Donc, je voulais juste vous offrir ces quelques paroles pour vous inviter à réfléchir et à croire qu'il existe encore des systèmes politiques, sociopolitiques dans le monde qui permettent exactement ce genre de... Moi, j'étais en train d'écrire, de taper, OK? Bon, parce que moi, je suis quand même un relativement fidèle scientifique, un peu formé au CNRS ici en France aussi, et à l'Institut de psychologie sociale et des communications à Strasbourg. Moi, j'aime pas ne pas faire mon devoir. J'ai fait mon devoir, OK? Il est écrit, je voulais vous le projeter, mais bon, on s'en fout. Vous pourriez me demander un copie, je vous l'enverrai. OK? Il est écrit, mon texte. Mais moi, je suis ami d'une société qui fonctionne oralement. Parce qu'on ne peut pas cacher ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient d'entendre ici, ça ne se cache pas. Et je pense qu'il y a toute entité féminine, hein, et le côté féminin dans les gars qui entendent le cri de ces dames que politiquement, et je suis d'accord avec elles, il y a quelque chose qui cloche de terrible, et on arrive à rectifier ça avec le bon mode de conseil que vous pouvez en fait trouver, si les dames peuvent m'aider aussi, dans ma sacoche qui est derrière vous. Vous puisez là-dedans, il y a un livre qui s'appelle « Paroles de paix en terre autochtone » qui résume tous ces aspects de conseil, de collaboration entre le conseil des femmes et le conseil des hommes, et comment on arrive à entendre le message qui nous est donné pour qu'on agisse de manière conséquente, OK? Donc, je vous invite de retenir le titre « Paroles de paix en terre autochtone », c'est aux éditions Le Jour. Il y a énormément d'astrobiophysique, astrobio-géophysique là-dedans. Ce soir, demain, on est dans la pleine lune. La lune, ce n'est pas juste une chose. Merci beaucoup, Francesca. Ce n'est pas une illusion, la lune. L'influence de la lune sur la Terre n'est pas imaginaire ou imaginée. Nous avons une grande et énorme préoccupation au conseil traditionnel Ganyagahaga ou Mohawk, pour être plus court, avec la nucléarisation de l'espace.
en fait, de tout ce qui est exploration spatiale et export de notre petit problème ici sur Terre. Hein? Et on a absolument besoin de, en fait, de réfléchir davantage. Donc, je termine là-dessus. Je vous invite à consulter ça. Bon, ben merci. Mais la dénucléarisation, en fait, je crois, je donne mon opinion. Jusqu'ici, passe-moi le micro. Non, je termine. Je veux être à l'écoute. Mais si y a un autre débat ici, soit. Mais là où je milite, il y a des choses qui ont été faites de manière merveilleuse auprès de conseils permanents, de forums permanents des peuples autochtones à l'ONU. Et je sais ce que c'est l'ONU et la nucléarisation. Donc, je n'ai pas trop confiance. Mais ça a été fait. Et aussi, ça a été fait au Congrès international de l'aéronautique, dont la base est ici à Paris pour le monde entier, avertir les scientifiques. Et je termine en disant, si on ne fait pas une science comparative, si on n'invite pas ses sœurs et ses frères scientifiques à partager, moi, je crois beaucoup dans le conseil scientifique mixte, sexe, âge, tout ce qu'il faut, mais pour qu'il y ait un dialogue. Et peut-être, dernière chose, votre bon rappel à moi de bonne mémoire, c'est ça qui nous échappe quand nous ne faisons pas comme nous faisons en ce moment. Donc, merci beaucoup. Et je vais dire ces derniers deux mots. On dit « aguego », en fait, « ganigorio », je l'ai dit à l'ouverture, c'est tous le bon esprit. Ça, c'est ce que j'ai dit en dernier. Aguego Ganigorio. Merci. Bien. Merci. Donc, maintenant, on passe au point suivant. Alors, c'est un petit exercice auquel je me suis livré. Je rappelle bien le contexte. Et après, vous pourrez vous plaindre ensuite, mais hors session. J'ai pris le risque de faire une synthèse à partir des quelques résumés qui m'ont été donnés. Donc il y en a une dizaine, j'en ai reçu une dizaine, plus 4 ou 5 que j'ai reçus à midi, que j'ai intégré un petit peu, donc ça fait, c'est bien sûr très partiel. C'est pour voir si on peut effectivement à chaud faire une synthèse intéressante, mais je rappelle, si je me suis trompé, bah, tant pis, je prends ce risque, je rappelle que tous les résumés des ateliers peuvent être donc rédigés et envoyés, nous les mettrons sur le site. Donc vous pouvez soit laisser celui que vous m'avez envoyé, soit en faire un autre en prenant le temps de le faire. Et que ce résumé écrit sera différent du résumé oral. Là, il sera l'expression effectivement de tous les ateliers. Ce que je me propose aujourd'hui, c'est simplement de faire une synthèse à chaud, hein, et en plus en 20 minutes. Voilà. Alors il faut un micro si tu veux parler. Ouais. Ouais. Alors, écoute, est-ce que ça les gêne? Je ne sais pas. Elles ont préféré rester debout, hein, je leur ai déjà proposé. Le problème des micros, c'est qu'on a dit qu'on était dans très très mauvaises conditions ici parce que les techniciens malheureusement ne sont pas présents. Bien, ok. J'espère que ça va se régler. Donc, je vais faire ce petit exercice. Je remarque que le théâtre nous a mis dans une forme bien dynamique. Hein. C'est difficile de s'écouter et d'organiser les choses. Mais c'est bien, c'est bien. Il aurait peut-être fallu commencer par faire plus de théâtre. Alors, je commencerai par une citation de Fassbinder, le cinéaste allemand. « Si nous ne pouvons pas transformer les événements, nous pouvons au moins les décrire. » Un grand nombre d'ateliers ont insisté sur l'importance de l'information. Et cette information doit aussi pouvoir s'accompagner d'une formation.
Il est fondamental de former les citoyens, ONG, travailleurs, de manière correcte sur le plan scientifique et indépendante du lobby nucléaire, sur les impacts radiologiques dès l'ensemble des conséquences du nucléaire, l'extraction minière, les essais nucléaires, les incidents, les accidents, les catastrophes militaires et civiles. Cette information donne aux citoyens qui sont tous des victimes potentielles, non seulement confiance, mais aussi des outils de compréhension pour lutter contre le nucléaire et dénoncer eux-mêmes les mensonges du lobby. L'extraction minière à la source de l'énergie atomique qui a besoin de ce matériau pour produire de l'énergie a bien montré que les mines ont d'abord été au service de la bombe atomique, puis de l'énergie dite civile. Des millions de tonnes de déchets liquides et solides sont laissés sur place. Le vocabulaire rivalise d'hypocrisie, stérile pour résidus de matériaux radioactifs par exemple. Les réglementations ne sont pas à la hauteur des taux de radioactivité et des rejets de mines. Les exploitations minières n'entraînent pas la prospérité, mais des nuisances sur le très long terme. Les déchets sont stockés en pleine nature sans confinement. La solidarité sur cette question des mines s'est notamment exprimée par la création d'un collectif mine d'uranium en 2012, alors que tout est fait pour minimiser et banaliser les problèmes, végétalisation, reconversion en zone de loisirs, etc. La plupart des ateliers ont d'ailleurs montré que nous ne pouvions dissocier le militaire du civil et que le soi-disant atome pour la paix était une manière de faire la guerre par d'autres moyens, et notamment la guerre à la planète. Ainsi, pour prendre un exemple récent, l'interdiction des armes nucléaires représente une avancée très importante. Mais le nouveau traité ne les condamne pas pour crimes contre l'humanité. Il autorise les États signataires à dénoncer le traité en cas d'événement extraordinaire et n'ouvre aucune perspective de désarmement multilatéral. Et réaffirme le droit inaliénable au nucléaire civil. Tout cela rend difficile de réclamer un référendum qui porterait sur sa ratification. La question du référendum est ainsi posée. SDN Suisse romande, notamment, a décrit le processus complexe mais positif des votations, en Suisse français, ou référendum d'initiative populaire, 100 000 signatures suffisent. Le succès de nos idées n'est pas garanti, mais leur audience, oui, à la sortie du nucléaire civil, a doublé en 10 ans et failli l'emporter en 2017 avec 46%, ce qui augmente leur poids dans l'esprit des décideurs. Pour réussir, il faut savoir chercher des soutiens, a priori éloignés des milieux antinucléaires. Le très grand nombre d'ateliers, 32 issus eux-mêmes d'un regroupement d'environ 70 ateliers qui nous avaient été proposés au comité de facilitation. Moins fort ? Plus loin. Le très grand nombre d'ateliers, 32 issus eux-mêmes du regroupement d'environ 72 ateliers qui avaient été proposés au comité de facilitation, pourrait être frustrant. Mais rappelons que l'objectif de ce forum est de permettre à des personnes qui ne se rencontrent pas, ou peu, de confronter leurs informations et leurs luttes. Ce forum a donc fonctionné comme une sorte de congrès international qui a pour objectif de mieux agir ensemble en constituant des réseaux, mais aussi par les liens d'amitié que nous établissons au-delà de nos divergences. Et je dois saluer la manière dont nous avons pu travailler au sein du comité de facilitation avec des membres issus d'organisations différentes et au sein d'un mouvement antinucléaire français assez divisé. Ce travail en commun nous a permis de renouer des liens et j'espère de comprendre nos divergences idéologiques qui ne doivent pas occulter nos objectifs communs. Plusieurs ateliers d'ailleurs ont parlé des problèmes de division du mouvement antinucléaire et des difficultés que cela pouvait entraîner dans la lutte. La question de l'arrêt immédiat du nucléaire, notamment, qui, nous l'avons souligné dans le rapport introductif de la Pénière, a été trop souvent mis de côté, a pu être abordée comme les autres positions. Il a été ainsi souligné l'importance aujourd'hui de montrer qu'un arrêt immédiat du nucléaire est indispensable, ne serait-ce que pour éviter la nouvelle catastrophe qui nous pend au nez, et ne pas avoir arrêté immédiatement après la catastrophe, comme cela a été fait au Japon. Le Japon a montré de manière tragique qu'un arrêt immédiat des réacteurs était possible sans suicide économique et régression à la bougie, mais que, effectué après le tsunami de Fukushima, il n'avait pu éviter une catastrophe sanitaire et humaine. Envisager cet arrêt immédiat permet de réfléchir sur les différences entre puissance installée et puissance disponible. Un débat a eu lieu sur ce point dans cet atelier,
et s'est achevé sur le constat que trop d'inconnus sont encore en jeu, que les techniciens du nucléaire ne maîtrisent pas eux-mêmes. Un débat s'est engagé après un exposé indiquant la nécessité de recourir de manière transitoire aux énergies fossiles, ce qui aurait, je cite, donc un très faible impact en termes d'émissions à gaz de serre sur la tension, donc ce débat s'est engagé, sur la tension entre sortie progressive, qui d'après certains évacuait donc la question de la catastrophe, et arrêt immédiat. Tension que l'on retrouve sémantiquement d'ailleurs dans le nom de certaines de nos organisations, certaines se réclamant de la sortie et d'autres de l'arrêt. Une des questions essentielles qui a traversé plusieurs de nos ateliers est celle du projet Ethos, qui consiste à habituer les gens à vivre avec la contamination en niant ses effets. Cette stratégie centrale du lobby nucléaire est souvent ignorée des militants eux-mêmes et montre l'importance de se regrouper au sein d'un réseau international pour continuer la lutte. Les déplacements de réfugiés, notamment, sont niés par les autorités. Au Japon, les autorités japonaises, loin de prendre leurs responsabilités en indemnisant entièrement les victimes, s'acharnent à reconstruire Fukushima en faisant revenir dans des zones très fortement irradiées les quelques 130 000 personnes encore déplacées dans d'autres départements. Pour les pro-nucléaires nippons, le responsable des cancers de la thyroïde est le stress causé par un excès d'informations sur les dangers de la radioactivité. La solution face à cette contamination mentale, en japonais Kokoro no Ozen, est aussi déclarée d'opérer une décontamination du cœur, Kokoro no Jozen. On voit qu'on n'en était pas très loin dans notre manif de tout à l'heure. En prenant pour les Mada et leurs familles le droit de ne pas savoir. Donc il est donc beaucoup mieux de ne pas savoir, parce que ça évite le stress, et comme ça, on évite les maladies dues aux radiations. Ces questions de santé, centrales pour les antinucléaires, même si l'économie peut être aussi un argument essentiel face au fiasco économique de la production d'énergie nucléaire, ont aussi traversé nos ateliers, et notamment celle de la santé des travailleurs. Nous avons eu aussi le témoignage de Philippe Billard en plénière. Les témoignages sur la situation des travailleurs sous-traitants au Japon et en France ont montré les similitudes entre une situation de catastrophe et une situation dite normale, avec notamment un manque d'information des travailleurs sur les risques par les entreprises, un manque de suivi de la santé des travailleurs, une logique économique qui méprise la question des risques. Il nous faut rendre visible cette situation et développer la solidarité. Cette question de la visibilité renvoie à ce qui peut être un leitmotiv de nos journées, le leitmotiv de l'information et de la diffusion de l'information. Les avancées, notamment sur les indemnisations des victimes des essais, pourraient nous aider à réclamer aussi pour les victimes civiles, les mêmes avancées, notamment pour les travailleurs du nucléaire. En ce qui concerne les arguments économiques, Utopia a montré, chiffres à l'appui, que l'argent du grand carénage, 80 milliards d'euros selon EDF, s'il était consacré à l'isolation des bâtiments, ne présenterait que des avantages, tant pour la collectivité que pour les ménages. Nos campagnes gagneraient donc beaucoup à mettre en avant l'argument financier qu'il faudrait affiner pour le rendre indiscutable et l'étendre encore à d'autres dimensions économiques. Il nous faut aussi parler d'un énorme scandale, à la fois économique et scientifique, celui de la filière plutonium. Pour ne pas laisser perdre le soi-disant savoir-faire de Phoenix et de Superphénix, des équipes travaillent à Saclay, Cadarache et Marcoule et créent des équipements au coût pharaonique. Ces projets, dit-on, seront opérationnels dans 80 ans. On va donc engager tout l'avenir de la recherche pour des résultats éventuels dans 80 ans. 650 millions d'euros, notamment, ont été dégagés pour des études préliminaires d'un réacteur devant transmuter des atomes transuraniens générés au cours de la fission dans les réacteurs à eau en atomes plus faciles à gérer. C'est une arnaque qui, tout en pompant le budget de la recherche, est destinée à aboutir au nucléaire durable, oxymore aussi énorme que capitalisme vert. La construction du réacteur ITER à Cadarache est tout aussi démentielle et nous devons continuer à informer, à décrire ces projets absurdes, tant humainement que économiquement. Alors maintenant, je vais passer au texte que j'ai reçu à la fin, donc je serai un peu plus brouillon. Donc, alors, l'atelier sur le démantèlement, on a discuté sur la nécessité d'un démantèlement immédiat ou différé, ou la mise en containment des unités, en contention des unités, ce qui est une alternative au démantèlement. Pardon, la mise en contention des unités, ce qui est une alternative au démantèlement. L'exemple de Brennilis a permis de rendre plus concret cette présentation générale.
L'atelier Libérer l'ONU du nucléaire a montré la non-légitimité scientifique des systèmes de radioproduction qui sont constitués par cooptation, les dommages causés aux prochaines générations et le lien entre le processus de destruction de l'espèce et l'emprise de la technologie sur le vivant, qui est la forme contemporaine de l'hégémonie de l'humanité mâle. Voilà. Et ensuite, des objectifs internationaux, organiser un jugement par un tribunal du peuple et une organisation internationale des victimes. Alors, pour conclure, et on va pouvoir passer donc à l'étape suivante, un certain nombre d'ateliers ont insisté sur la nécessité de créer des réseaux relativement souples, à la fois européens mais aussi mondiaux, qui permettraient d'augmenter nos échanges, d'avoir des échanges réguliers, des informations plus précises sur les différences dans chaque pays. On a vu notamment qu'en Espagne et en Portugal, qui ont remporté de grands succès, notamment au Portugal, où ils ont empêché la construction de centrales, la situation n'est pas du tout la même qu'en France, mais il faut arriver à coordonner nos actions et être bien informé des situations dans les différents pays, et notamment nous coordonner pour des actions, par exemple, face aux commémorations de la mémoire vivante des accidents, Tchernobyl, Fukushima, bref, mettre en place donc ce réseau qui sera une sorte de prolongement de nos rencontres, même si nos rencontres n'avaient pas du tout pour objectif de créer un réseau, mais de faciliter peut-être la création de ce réseau. Alors on a mis aussi l'accent sur l'existence déjà de certains réseaux, comme l'Heritage Nuclear Network, et la nécessité de s'appuyer sur les réseaux existants pour développer les réseaux à venir. Voilà, et maintenant je laisse la parole, nous avons 5 minutes d'avance, je laisse la parole à Chico et Bernard qui vont parler justement de cette création de réseaux. Très bien. Voilà, maintenant c'est à nous de... Alors je vais faire une petite introduction et ensuite demander à quelques-uns d'entre vous de venir ici donner des détails. Hein? Donc il a parlé qu'il y a eu 2 ateliers qui se sont tournés plus spécifiquement sur la question de ces réseaux, de cette coordination, ces liens internationaux. Évidemment, tout le monde était d'accord, c'était va sans dire, qu'il est évident qu'on ne peut pas continuer à lutter isolément chacun dans son pays devant une problématique qui est totalement interliée au niveau mondial dans tous les sens. Soit les sens techniques, soit les sens matières premières, soit les sens des intérêts économiques forts qui sont là derrière. Alors, donc à ce moment-là, toutes ces interactions des réseaux mondiaux, des liens, de l'intercommunication nécessaire, des solidarités qui doivent se créer, et on a cherché. Alors, il y a eu 3 ateliers qui sont tournés sur ces questions. Un qui était plus général, et qui avait des gens de plusieurs pays. Il avait commencé avec l'Europe, mais ça avec de plusieurs pays. Ensuite, il y a un autre plus spécifiquement sur un réseau européen. Et il y a un troisième qui a essayé de faire les liens nord-sud, hein, et qui a été ce matin. Alors d'ailleurs, ce troisième-là, il a été proposé par un camarade argentin qui devait venir et qui a eu malheureusement un petit problème au cœur qui l'empêchait de voyager. Il doit être opéré dans quelques jours là, mais il a pu quand même participer de notre atelier parce que nous nous sommes dotés d'un petit système d'intercommunication par l'Internet. Donc il a même donné son avis dans plusieurs choses. Et c'est un atelier qui s'est terminé bien, avec beaucoup de, disons, de propositions très concrètes, des constitutions de réseaux, d'échanges de matériaux, d'échanges d'expériences et tout ça. Alors, cet atelier a été suivi par des gens dans d'autres pays aussi. Nous avons eu des gens du Bangladesh, des gens du Togo, c'est bien Togo, oui, et on a eu 7 Brésiliens qui ont suivi l'atelier
par l'Internet tout le temps. Raoul simplement a pu intervenir, mais les autres au moins ont suivi. D'ailleurs, nous sommes en train d'être suivis aussi par l'Internet dans le monde entier, des gens qui ont su qu'il y avait cette possibilité. Alors, je vais demander là maintenant aux trois amis qui viennent ici parler. Et d'abord, Bruno Chareron, il est là, non, Bruno, et qui va nous parler de l'expérience qui... De l'expérience de... de oui, si tu veux. D'information et formation, mais il va expliquer mieux. Oui, je voulais juste parler donc de l'expérience de transfert de connaissances aux populations et aux ONG qui dans le monde sont affectées par les contaminations radioactives. Mais on a pu le développer un peu hier avec Al-Mustapha Alassane du Niger. C'est vraiment important qu'on puisse renforcer la formation et l'information des citoyens en échangeant nos informations, donc vraiment améliorer les systèmes d'échange d'informations entre nous et en améliorant les systèmes de formation des gens qui sont sur le terrain. Ce sont les travailleurs sur le terrain, les riverains des installations sur le terrain, les populations autochtones sur le terrain qui sont les gens les plus efficaces pour surveiller la situation, voir ce qui se passe et être en capacité de dénoncer les mensonges du nucléaire. Ce que nous constatons à la CRIRAD depuis qu'on travaille avec les gens sur le terrain, c'est qu'on est beaucoup plus fort ensemble pour dénoncer tous ces mensonges qui commencent avec les mines d'uranium et qui se terminent avec les catastrophes nucléaires. Donc, je ne sais pas concrètement comment on peut le faire, mais il faut le faire en mettant en place des initiatives très localisées et aussi des systèmes un peu plus organisés. Vous avez rappelé l'initiative du collectif mine d'uranium en France. Il y a des initiatives au niveau international. Et c'est l'ensemble de toutes ces synergies qui nous permettent d'être plus efficaces. Et bien sûr, il faut arriver à y intégrer les jeunes, les femmes, les scientifiques, les non-scientifiques, les autochtones. C'est tous ensemble qu'on peut mettre en commun nos forces et lutter contre l'ensemble de ces mensonges du lobby nucléaire. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Alors, je voulais demander à Christian s'il peut venir ici, parce qu'en Suisse, ils ont quand même eu une expérience presque réussie, mais réussie dans un certain, jusqu'à un certain point, gagner un référendum. Elle va nous raconter un peu. Comment ça se passait. C'est terrible, hein, encore un homme, puis en plus encore des cheveux blancs. Alors voilà. Mais j'ose quand même parler. Alors, en Suisse, en 2016, nous avons voté sur une initiative qui demandait l'arrêt progressif des centrales. Après une année, les trois plus vieilles, et puis 2024, une autre, et 2029, la dernière. On a eu une campagne, on a gagné dans tous les districts francophones. Malheureusement, en Suisse allemande, qui sont majoritaires en Suisse, on a perdu, on n'a eu que 46% de oui. Je répète juste les arguments principaux qui ont été favorables ou opposés. Alors, on a réussi quand même à faire passer quelques idées fortes qui sont restées dans la tête des gens. C'est que le nucléaire est dangereux et peu fiable. Que le nucléaire est cher, plus cher que les renouvelables. Et qui peut être remplacé. Les alternatives sont là, les économies d'énergie et les renouvelables. Par contre, on a perdu sur quelques arguments qu'on n'a pas réussi à contrer, disons, on n'avait pas assez d'argent pour les contrer, même s'ils sont faux, c'est que la sortie demandée était trop rapide. Ça avait amené à des coupures de courant, à des renoncements, changements de qualité de vie, bref. L'autre argument, c'est que le gouvernement avait proposé
un contre-projet indirect, une stratégie énergétique, et qu'il fallait plutôt suivre le gouvernement. Et une majorité de Suisses allemands se sont dit « Ah oui, le gouvernement, il faut suivre, ils savent ce qu'ils font. » Et puis, un autre argument qui était avancé, c'était que si on arrêtait tout de suite, parce que arrêter les trois plus vieilles tout de suite, pour eux, c'était tout arrêter tout de suite, on aurait remplacé par du charbon allemand, c'est-à-dire par du courant produit en Allemagne par des centrales à charbon. Ça, c'est un argument qui a porté dans la tête. Il y a eu des sondages à la sortie de l'urne, et on a demandé, mais pourquoi vous avez voté non, pourquoi vous avez voté oui? Voilà. Alors maintenant, que faire? D'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en 2017, ce printemps, le peuple suisse a par contre largement accepté une stratégie énergétique jusqu'à 2050 qui comporte, un, l'interdiction de construire des nouvelles centrales nucléaires. Ça, c'est très positif. Parce que, il y a 5 ans encore, on parlait de remplacer les vieilles par 3 nouvelles centrales nucléaires encore plus grandes en Suisse. Donc voilà, ça c'est un acquis. Ensuite, mettre des moyens au service du développement des renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et ça, ça a été accepté par le peuple, donc on a quand même eu un certain succès. Que fait maintenant le mouvement antinucléaire? Il continue, il y a 2 organisations principales, une en Suisse romande, une en Suisse allemande, mais qui collaborent, aussi encore d'autres groupes locaux. Qu'est-ce qu'on fait? Un, on va surveiller que le gouvernement tienne ses promesses, et une des promesses principales, c'est que si les centrales se montrent peu sûres, on les arrête. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une des plus vieilles sera arrêtée en 2019, Mühleberg, c'est programmé, et que Bessnau 1, qui est la plus vieille au monde, mais qui a des défauts, on a trouvé des fissures, disons des défauts dans la cuve, elle est à l'arrêt depuis bientôt 2 ans, et malgré les demandes de l'exploitant de la faire démarrer, l'autorité de surveillance, vu toutes les promesses qui ont été faites avant les votations, pour l'instant, n'autorise pas à la faire démarrer, parce qu'elle est trop dangereuse. Bref, même si on a perdu, quelque part on a gagné, on reste vigilant, les mouvements antinucléaires continuent donc à exister, il y a des éléments très réjouissants, même si c'est des personnes comme moi qui sont là aujourd'hui, il y a de nouveau des jeunes qui sont engagés, aussi des femmes, bien sûr, on est autant de femmes que d'hommes, hein, même si je suis là pour parler. Pas en Suisse, pas autant. Voilà. Et puis, un autre point donc qu'on essaye de faire, on va agir localement pour la transition énergétique. C'est-à-dire, on a des villes et des cantons où il y a des majorités roses-vertes et on poussera ces élus dire, voilà, maintenant, vous avez quand même les clés, un certain pouvoir local, utilisez-le pour la transition énergétique, et puis effectivement, rappeler toujours aux citoyens, aux citoyennes, aux citoyens, que c'est eux qui détiennent la clé du changement par leur consommation, par leur mode de vie. Voilà. Nous continuons, nous sommes heureux, on a été 4 ici de l'organisation être venus ici, nous sommes heureux qu'il y ait un lien qui continue, et c'est essentiel d'échanger et de recréer des réseaux. Merci Chico. Alors, je vais demander encore un homme. Excusez-moi. Mais je vais vous demander. Mais c'est elles qui ne veulent pas ce soir. Alors, elles vont démontrer. Elles ont envie de faire cette icône. Bien, voilà. Voilà, continuons. Donc, je voulais passer la parole à... On dit que c'est toujours les hommes de pouvoir qui ont le dernier mot. C'est pour ça que dans les conclusions, on voit que des hommes. Voilà. Mais nous, on est là pour justement changer ce rapport de force. Hein. Moi, j'ai fait un atelier hier où l'hégémonie de l'humanité mâle et la technostructure
sont tout à fait complices. Tu as rapporté mes propos. Et il faut que dans le mouvement antinucléaire, on change ce rapport. Et le sexisme est très fort dans le mouvement antinucléaire. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Bien, voilà. Voilà, voilà. Donc à ce moment-là, je crois qu'on peut continuer pour finir un peu là. Alors donc, Paco Casejón, il va s'asseoir ici à côté de moi. Il vient, il était le modérateur du deuxième atelier qui a parlé des réseaux européens, on a parlé pas mal de problèmes de calendrier, des choses comme ça, et la possibilité de faire réseau mondial. On a échangé pas mal d'idées, mais il a une bonne nouvelle à nous donner. Et c'est ça que je vais lui demander, d'expliquer un peu plus ça. Les copains espagnols et portugais qui sont dans ces mouvements que nous avons connus hier, je crois avant-hier, qui a parlé de ça le premier jour, je crois, n'est-ce pas? Le MIA, n'est-ce pas? Les mouvements ibériques antinucléaires, ils se disposent à organiser un nouveau forum social mondial antinucléaire en Espagne en 2018. I would like to share my talk with Yolanda. The problem is that she hasn't her glasses, so maybe I speak and if you want, you can take the floor. I mean, whenever you want. Because we try to keep gender parity in our network. Sometimes it works, sometimes it doesn't, but we do our best. We do our best. So I apologize for being a man, but nobody is perfect. It was in a famous film. Okay, so in Espanol. Why? Sí, hablo español. No. Okay. Now we came here to speak about the advantages of networking. We have a very nice experience with Portuguese people. Antonio is there. They don't have nuclear power plants. All their mines are closed. They are free of this problem. Nevertheless, this is not fully true, because they suffer the threatening from our Spanish installations. But because of that, and because of international solidarity, people amity, they are helping us a lot. We have created what we call Iberian Anti-Nuclear Movement, which is a federation of more than 100 groups working together, trying to get rid of this threatening in Spain, Portugal, and we have, of course, thought of all over the world to move abroad. This is why we are here. In the beginning, we were quite modest, and we were thinking of extending this networking to Europe, but we have realized soon that this is a global problem. There are a lot of problems that are connected among all the countries, not only in Europe, for instance. Uranium mining. I have realized that the decisions that are made in Canada and Australia have direct impact on Spain, and therefore in Europe. So we are moving clearly on the international networking, which is the philosophy of the forum, and we support this philosophy. So we will be happy to organize the forum in Madrid, autumn 2019. We can travel. We cannot travel to the past. 2019. 19. In 2 years. Okay. Because in autumn in Madrid, autumn is perfect in Madrid. It's a nice city, good weather at that time.
But the real reason for choosing this date is this is a very crucial date for us. In 2020, a crucial decision will be made by the government about the continuation of Spanish power plants. If the decision is made, Spanish power plant will continue working 10 more years. 10 more years. And maybe other 10 more years. Up to 60, which is crazy and very dangerous, not only for Spain and Portugal, but maybe for France and abroad and different countries. So this is a very important moment for us, for Spain, and there are other conflicts in which your support can help. Yes, your visit can help us. So we will be happy to help Forum, but we will be even happier to learn from these rich experiences, rich discussions we have been enjoying for the first time. I don't know if Yolanda wants to say something, but I would encourage you to tell something to everyone, to show that our strong women are working strongly with us. One more thing is that I don't want to forget that we have got our first victory. We have closed in August the oldest nuclear power plant in Spain after a long-standing fighting from 71. So this is the first victory of our network. Thank you. Well, it's true that in Iberian anti-nuclear movement, we try to include women and men because we are all together. But have been a work behind that, started in other point, and nowadays all the groups in the different areas of Spain and Portugal have the obligation to have a woman and man to speak with the media, to speak the giving meetings, or like today. And this is why I'm here, because we have to do this work, and we can do with love. We cannot do in an aggressive way. We are here, and we need our space. I give thank you to the cameraman, because saying a while ago is not filming man. They are walking, but they are the image are the woman, and we need more men that way, supporting us and giving us the voice, because we have things to say as well. Many women have been participated along this meeting and have very interesting approach about the nuclear energy. So please, I ask you to make a big effort to stay here and to stay in other battles we can have in other places. Voilà donc, mais avant de passer la parole à Bernard qui finira notre présentation à nous deux ici, je voulais dire quelque chose là qui, pour moi, c'est important. Vous savez que là, comme j'ai dit au début, les premiers jours là, l'essence de ce type de forums sociaux mondiaux, est bien celui de rassembler les gens dans une perspective de respect mutuel, d'horizontalité, et de dépasser la compétition entre nous et passer à la coopération vraiment entre nous. Ce qui, dans le cas du nucléaire, est essentiel. Parce que le lobby, ce qu'il fait le plus, c'est nous diviser et essayer de nous rendre tous ennemis les uns des autres, de telle façon que parfois on se trompe d'ennemis. Et vraiment là, je crois que c'est, si dans la lutte sociale générale, dans le monde entier, ça c'est un vrai problème, nous connaissons toujours la capacité qu'a la gauche en général de se diviser plusieurs fois. Si on ne dépasse pas cette difficulté,
on sera toujours plus faible devant les dominants. Donc là, c'est le but et les, disons, et une des raisons, c'est unir, aider l'union dans le respect de la diversité et dans la solidarité. C'est bien ça. Alors là je voudrais vous dire que pour moi qui viens du Brésil, je n'étais pas là, j'ai suivi de loin, mais je suis rendu compte que les comités de facilitation qui a organisé ce forum-là a réussi dans ça beaucoup. C'est-à-dire, il a réussi à travailler une dizaine de personnes, c'est ça, n'est-ce pas, bien intensement, mais dans le respect mutuel, dans le respect de chacun, donc, et dans leur diversité. Et il a réussi ça. Donc, en tant que forum, ce n'est pas seulement participants des forums qui doivent se respecter, mais les comités qui facilitent eux-mêmes ont parfois des difficultés et c'est par là que les choses n'arrivent pas à se faire. Donc là, ils ont réussi. Alors, évidemment, nous espérons bien qu'ils puissent continuer à être unis parce que cette union ne se gagne pas d'un seul coup. Et elle doit être élargie. Elle doit être construite chaque fois plus. Alors, nous pouvons assurer à nos amis, je crois que je peux là parler au nom de vous tous, mais je dis au nom des autres peuples qui sont dans cette même histoire, et qui là, moi, j'ai des contacts, et je peux assurer que nous, avec le réseau et les liens que nous avons commencé à établir ici, nous allons continuer à aider cette construction dans le monde et nous espérons bien que le français qui ont construit ces forums-là puisse aussi aider à continuer la construction en France et dans le monde. Et je crois que là, c'est un peu un fait, c'est notre espérance et c'est cette expérience qui nous fait lutter. Voilà. Oui, je voulais dire que les femmes ne veulent pas prendre le pouvoir. En tout cas, moi, je ne veux pas prendre le pouvoir. Je remercie beaucoup les hommes d'avoir peut-être plus l'habitude et prendre le risque d'organiser. Je les remercie beaucoup. Mais ce que je voudrais, c'est qu'en organisant, ils n'en profitent pas pour occulter notre parole. Et ce que je voulais aussi, c'est que moi, je ne suis pas venue ici pour moi. Je suis venue vraiment motivée par, j'en ai parlé l'autre jour, par un jeune voisin. On voit peu de femmes exposées comme intermédiaires, intermittents du spectacle nucléaire. J'ai un petit voisin qui a tellement intégré l'idéologie du pouvoir, mais lui, il est du côté désobéissant. Il doit gagner de la vie il doit gagner sa vie pour nourrir sa petite famille. Donc, il a travaillé dans le nucléaire. Il a fait des choses dangereuses. Et à un moment, il s'est trouvé suspendu à des cordes. Il savait plus où mettre la perceuse. Il l'a mise dans sa tunique. Et il a peut-être 35 ans. Et un grand gaillard qui se trouve avec un cancer de la prostate à cet âge-là. Et il ne fait pas le lien avec le nucléaire. Il dit, mais non, c'était... Oui, s'il fait le lien, il dit, mais oui, mais c'était de ma faute. Je n'aurais jamais dû faire ça. Il faut vraiment défendre tous ces travailleurs du nucléaire. Il faut nous défendre toute la population, et en particulier les hommes qui s'exposent. Il faut leur dire, mais non, tu n'as pas le droit. Et nous, les femmes, nous refusons que nos hommes soient exposés ainsi. Donc c'est par solidarité que je parle, par solidarité avec les hommes qui se laissent embobiner, qui se croient à un certain moment trop forts, trop invulnérables. Et il faut dire, mais non, tu es vulnérable aussi, et tu as le devoir de te protéger. Voilà, les femmes, je pense que l'essentiel de la parole des femmes dans le nucléaire, c'est de dire ça. Nous devons protéger nos hommes, nous devons protéger les générations futures, et nous, bien sûr, nous devons nous protéger nous-mêmes. Merci beaucoup.
Alors je passe donc la parole à Bernard qui va finir avec quelques recommandations. Merci. Je voudrais juste dire que c'est pas le féminisme qui divise la lutte, c'est le sexisme. C'est le sexisme et le racisme et toutes les oppressions qui créent des divisions artificielles entre les êtres humains et qui créent de l'inégalité. Et si on n'est pas capable de regarder en face les oppressions qu'il y a entre nous, on ne pourra pas lutter efficacement contre l'oppresseur qui est le capital et l'État. Largement critiqué, je reprends la parole. Quelques idées, hein. J'ai pas de choses très, très nouvelles, mais il y a quelque chose qui me frappe. On a tous bien dit dans les ateliers, dans les plénières, etc., la force. Pardon ? Plus fort. Réveillez-vous et ne parlez pas entre vous. Ça aidera. La force et la cohérence du système nucléaire, aussi bien civil et militaire, grosso modo. Comment ? Mais ne hurlez pas, vous êtes désagréable. Alors je rapproche le micro. Alors est-ce que la distance est convenable ? Bien. Je ne bougerai plus. Donc, le premier rang est prié de faire silence, les trois, là. Donc, là, bon, chacun a souligné la cohérence. Vous prenez le système nucléaire japonais, il est très proche du système nucléaire américain, français, russe, chinois, même brésilien, qui est quand même particulièrement lamentable, mais il y a vraiment une cohérence. Ce sont les mêmes. On voit les experts qui vont d'un pays à l'autre, les industries qui vont d'un pays à l'autre. La cuve de l'EPR en France est fabriquée par des usines japonaises. Et le démantèlement de la centrale française de choses, la toute petite, c'est Westinghouse. Donc, il y a un système mondial extrêmement cohérent et il y a une forteresse. Par rapport à cette forteresse, les autres, enfin l'extérieur, est extrêmement diversifié. Vous avez la situation du Niger qui, évidemment, n'est pas comparable à celle des États-Unis. Et pourtant, quand on se retrouve ici, on s'aperçoit que ce sont les mêmes nécessités de lutte, ce sont les mêmes types de problèmes, ce sont les mêmes agressions de la radioactivité, que ce soit dans un pays comme la France, qui est vraiment la fille aînée du nucléaire avec ses 75% d'électricité et un nombre de réacteurs considérable, le plus nombreux au monde par tête d'habitant, ou que ce soit justement un pays, même qui n'a pas encore de nucléaire, le pauvre, mais qui est agressé par toutes les compagnies occidentales, japonaises, russes et chinoises pour absolument avoir du nucléaire. Et donc il y a donc une diversité considérable, mais une unité de problème, une unité de situation. Et par rapport à ça, je pense que c'est ça la richesse du mouvement antinucléaire mondial, très diversifié, mais avec un ennemi commun et tout à fait identifié. Et cet ennemi commun, c'est un rouleau compresseur. Comment on s'oppose à un rouleau compresseur ? Il y a deux méthodes. De construire un rouleau compresseur plus puissant, et vous avez un choc. Vous êtes vainqueur si le vôtre est le plus puissant, mais vous êtes écrasé si vous n'avez pas atteint la puissance suffisante. Donc la façon de lutter contre un rouleau compresseur, c'est d'utiliser un filet. Et un filet, c'est un réseau. Et donc le réseau que nous avons l'obligation de constituer, c'est cette espèce de filet qui finalement enfermera le rouleau compresseur. Donc c'est une image, presque une parabole, mais je pense qu'elle est très utile. Alors, quels sont les outils de ce réseau ? Le premier a été bien mis en évidence par la CRIRAD, par Bruno Charregron. Dans les ateliers, on a pu reprocher quelquefois que la plus grande proportion des ateliers étaient finalement des ateliers d'information.
Et alors peut-être la proportion a été un peu forte, mais je pense que la connaissance du système nucléaire, la façon dont il fonctionne, avec quelques données techniques, mais aussi des données économiques et financières, mais aussi l'organisation industrielle mondiale qui finalement oppresse l'ensemble, c'est fondamental. Et donc je pense que par rapport aux tâches dont il faudra discuter, les méthodes d'action, les tâches à accomplir, etc., il y a une première qui est effectivement l'information et la formation. Pas seulement technique, mais aussi économique et financière, et aussi l'information de ce qui se passe dans les pays. Moi, je me suis rendu compte depuis le premier forum de Tokyo combien c'était utile d'avoir des liens, parce que j'en ai eu avec deux ou trois d'entre vous qui sont ici, c'est que les Japonais, Fukushima a des contrats avec Areva. Bon, Areva, c'est quoi? C'est pas dans la littérature japonaise qu'ils trouveront beaucoup d'informations sur Areva. Par contre, en s'adressant au mouvement anti-nucléaire français, ils peuvent avoir les informations sur Areva, le fait qu'Areva est en faillite, le fait qu'Areva a fait des falsifications, le fait qu'Areva a triché, etc. Pareil pour la Turquie, Pinard, pareil pour un certain nombre de pays, et donc cette information. Et c'est aussi important de savoir qu'en Afrique du Sud, il y a une propagande d'EDF absolument incroyable, extrêmement forte, qui vante évidemment les qualités d'EDF ou d'Areva, etc. Donc il y a un niveau d'information et de formation de caractère assez technique et économique, mais aussi les nouvelles. Et l'Internet permet ça. Le jour où il y a un scandale en France, ou le jour où il y a un scandale au Japon, le dernier scandale au Japon, c'est que l'un des grands fabricants d'acier a falsifié les pièces depuis des années. Kobe Steel. C'est extraordinaire. Et donc, il y a des pièces de Kobe Steel qui sont dans le monde entier. À peu près toutes les centrales dans le monde doivent avoir des morceaux d'acier de Kobe Steel qui ne respectent pas les normes. Donc, il y a ce premier niveau d'information et de formation sur lequel on peut s'organiser. L'Internet est quand même très, très, très utile pour ça. Le deuxième besoin, si je puis dire, c'est un besoin de... Quelles sont les formes d'action? Il y en a un certain nombre qui ont été abordées. On a bien vu la Suisse, le référendum, la façon d'informer, etc. Mais il y a les actions de caractère économique, c'est-à-dire étudier la structure financière des entreprises et montrer à quel point la situation de ces entreprises qui se présentent comme les meilleures du monde, c'est quelquefois dramatique. En particulier, Westinghouse, qui a été historiquement le premier producteur de réacteurs au monde, à peu près les deux tiers des réacteurs sont issus de Westinghouse, soit directement, soit indirectement. Westinghouse, racheté par Toshiba, est en faillite. Et ça, c'est une information fondamentale dans les pays où il y a des gens qui vont venir en disant « Voilà, je vous propose un réacteur Westinghouse ». Eh bien, les deux réacteurs Westinghouse construits aux États-Unis ont été arrêtés après 8 milliards de dépenses de construction parce que le commanditaire, l'électricien, a considéré qu'il valait mieux arrêter à 8 milliards plutôt que d'aller à 25 milliards, tout en sachant qu'on n'était pas sûr que ça marche. Donc ce type d'information est important. Pourquoi ? Parce qu'il détruit l'image de toute puissance de ces entreprises. Et cette image de toute puissance repose essentiellement sur le mensonge. Il y a de la réalité. C'est vrai que ce sont des entreprises puissantes. Mais pour gagner le grand public, ce n'est pas leur puissance financière qui importe. C'est qu'ils ont des moyens de propagande tellement forts qu'on est obligé de construire des moyens de contre-information. Donc le second volet, probablement à discuter plus à fond dans le Forum social mondial antinucléaire, c'est la panoplie des moyens d'action selon les pays. Il y a des pays où l'action juridique marche, parce qu'il y a une justice qui fonctionne. Il y en a d'autres, en France en particulier, où chaque fois qu'il y a eu des procès sur des points fondamentaux, la réponse a été « la France a besoin d'énergie ». Ce qui est une réponse tout à fait respectable quand vous parlez des accidents possibles. Donc, deuxième volet, les moyens d'action, la coordination des actions. Et troisième volet, qui rejoint un peu ce que disait
ce que vient de dire Chico sur la nécessité de garder entre nous une certaine cohérence et une certaine, je dirais, bienveillance les uns par rapport aux autres, c'est la capacité de s'adresser à l'extérieur du milieu antinucléaire. Ce qui est terrible, on l'a bien constaté, c'est qu'on, quand même, l'âge moyen, en France en tout cas, du milieu antinucléaire est assez élevé, parce que les jeunes sont plus attirés par des activités que je dirais positives, c'est-à-dire le développement des renouvelables, des activités de création d'un nouveau modèle de société, mais que de s'attaquer à ce monstre nucléaire. Et par conséquent, dans la façon de s'adresser à l'extérieur du mouvement antinucléaire, il y a un volet dénonciation du nucléaire, mais il y a un volet aussi d'explication de solutions alternatives possibles. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, se contenter de dire que ce n'est pas bien. Moi, je vois bien dans ma famille, tu as raison, ce n'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? Et donc, il y a une certaine façon, on est obligé de rentrer dans un système d'explication des alternatives. Et ça me paraît tout à fait fondamental par rapport, en particulier, aux jeunes générations qui sont quand même, qui étaient beaucoup plus nombreuses dans le mouvement antinucléaire des années 70 qu'elles le sont dans le mouvement antinucléaire des années 2010. C'est à peu près ça que je voulais dire, et je pense que dans le prochain Forum social mondial, si on peut déjà donner quelques idées, il faudrait aborder ces différentes questions. Et surtout... Comment ? Non, c'est des... Il faut... Je dois dire que dans le comité de facilitation, il y avait autant de femmes que d'hommes. Et que vous les avez rencontrées dans différentes tâches et qu'elles sont aussi intervenues. Et là, ce n'était pas parce qu'il y avait un quota, mais il s'est trouvé qu'il y avait autant de militants hommes que de militants femmes. Ce n'est pas un hasard. Comment ? Mais c'est les femmes, évidemment. C'est bien connu historiquement. Tu me laisses un petit mot pour... Oui, je te le laisse. Quand tu veux, hein. J'y pense. D'accord. Attendez, moi je suis légèrement perturbé là. Donc je termine. Donc si, c'est parti. Information, formation. Les actions, la possibilité de présenter une vision possible. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle alternatif. On ne va pas revenir à des idées du passé, mais nous montrer qu'il est possible que ce soit autrement. Et que cet autrement peut être inventé par les femmes, par les enfants, par les hommes, par les grands-parents. Enfin bon. Et donc de créer cet esprit d'invention. C'est pas de dire on a un nouveau modèle et on va vous montrer ce modèle. C'est de dire vous avez la capacité, en fonction de votre situation, de vos besoins, etc., de créer un nouveau modèle. Pourquoi ? Dans cette affaire, le nucléaire est important. Et ça, je m'adresse en particulier aux militants des alternatives. C'est que les alternatives ne sont réellement possibles que si on supprime le système centralisé, autoritaire et dangereux du nucléaire. Le nucléaire bloque le reste. Et c'est pas seulement le fait que le nucléaire est mauvais, c'est-à-dire, bon, on va essayer de le contenir et on va développer le reste. Non. Dans des pays où le nucléaire est extrêmement fort, comme en France, on voit à quel point c'est difficile de faire autre chose, y compris les budgets de recherche, etc. Et donc, dans les pays qui n'en seraient qu'au début... Et dans lesquels il y a des personnes qui diraient ben, une petite proportion de nucléaire, ça serait pas mal, c'est faux. Le nucléaire est totalitaire. Et dans ce sens que l'exemple français est éclatant. À partir du moment où vous avez ce nucléaire qui s'impose à la fois civil, militaire, mais même quelquefois civil tout seul, les alternatives sont de plus en plus difficiles, non seulement à cause de l'occupation du terrain électrique par le nucléaire, mais par l'État franchement policier que cela crée. Vous pouvez aller visiter une éolienne, vous passez à côté, etc. Vous pouvez visiter des panneaux photovoltaïques, rentrer dans une centrale nucléaire. Bon,
Greenpeace y arrive, mais bon, tout le monde n'est pas Greenpeace. Donc, si vous voulez, ce système est obligatoirement autoritaire et policier, parce qu'il est dangereux. Et donc, nous-mêmes, nous demandons à ce qu'il soit surveillé, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait une bombe qui tombe, etc. Donc, on est complètement coincé. Donc, il faut refuser d'être coincé, hein, et deux, il faut donc être capable de faire passer ce message qu'il reste encore un certain degré de liberté. Merci. Merci Bernard, et tu as tout à fait raison, le nucléaire est non seulement une impasse mais totalitaire et on est dans une dictature nucléaire. Alors ce forum s'appelait nucléaire, non au nucléaire, civil et militaire, et j'ai entendu des propositions, il aurait dû s'appeler non au nucléaire, militaire et civil. Pourquoi ? Parce que le nucléaire militaire est la source du nucléaire civil, et si nous avons un nucléaire civil maintenant, c'est parce qu'il y avait un nucléaire militaire avant. Et les pays qui veulent s'équiper du nucléaire civil maintenant, c'est parce qu'ils ont des arrière-pensées militaires. Et donc, dans nos luttes maintenant, puisque nous partons de ce forum renforcé dans notre morale et pour nos luttes, il faut clairement montrer ce lien nucléaire civil, nucléaire militaire, car l'objectif est le même, nous devons supprimer le nucléaire civil et militaire. Militaire et civil, excuse-moi Michel. Le problème que nous avons avec le nucléaire militaire est grave parce que actuellement, toutes les puissances qui sont équipées de nucléaire militaire modernisent, mais nous avons une contre-offensive général de tous les pays non nucléaires de la planète et qui ont fait ce traité d'interdiction des armes nucléaires, un traité d'interdiction de fabrication, d'utilisation, de stockage et de menace aussi. Il est interdit de menacer quelqu'un par une arme nucléaire. La France est dans l'illégalité, la Grande-Bretagne est dans l'illégalité, il y a 9 pays qui sont dans l'illégalité et l'OTAN, qui est une alliance nucléaire, est dans l'illégalité internationale. Et donc, notre combat à nous tous, militants antinucléaires, militaires et civils, c'est de faire ce lien fort pour supprimer cette dictature qui nous bloque et qui menace toute l'humanité d'apocalypse avec les bombes et de pollution générale et de destruction de l'humanité à petit feu avec le nucléaire civil. Alors je vous invite à prendre contact avec des associations, vous êtes des associations déjà, mais de prendre contact avec d'autres associations qui luttent dans les mêmes conditions, dans les mêmes objectifs, et surtout avec des associations qui luttent contre le nucléaire militaire pour que ce lien soit évident, non seulement pour nous, les militants, mais aussi pour tous les gens à qui on s'adresse, à tous les gens qu'on doit convaincre que cette lutte est commune, et tous les gens qu'on doit convaincre qu'il faut éliminer le nucléaire militaire et civil. Thank you. I'm Marianne Kupka from Germany, and I just want to explain why I stand here with a woman, because I spontaneously decided to get up here. And yes, you're right, the workshops and the panels, we had the same amount of women than men. But this is the final plenary. That's about summarize, that's about analysis. And it's also a question about how do women summarize and do analysis. So we are not just, you know, giving our input and then it's the men who do the outcome. And I want to say, from my experience with the anti-nuclear movement, where I got known to many women internationally, since we know it's not about a coming nuclear war or a coming nuclear power plant accident, we experienced so much witness here about people already suffering, people already sick and slowly dying. Women also focus on decommissioning,
detoxification, and that's something very important about health, about life, about the children. We also have to share. We also have to bring out to the world, and not just all the technical stuff. So I hear it very often. It's not only here. I'm surprised because I'm not often in France, but in Germany, it's the same. My organization, I'm from the German Peace Society of United War Resisters. It's the same. There's not much knowledge about how important women quota is. We expect it from the big companies. You know, it's actually a law that we have women equality, same payment, same amount of jobs, same outspeech. And in our organization, we women expect it that this is being taken seriously, also at a final plenary. Thank you. And I'd like to hand over to Leona and to other women who might like to speak too. Thank you, Marion. Good afternoon. So I just want to say, earlier it was said, but I'm going to correct what was said, that men do not give us a voice. My mother is the one who gave me life, and the women are the ones who give life. And in our culture, it's a matrilineal society. And we believe it has been impacted by the colonization of our land, because heteropatriarchy is now normalized in our communities, and this has caused an imbalance in my people's society and government and traditional ways. And we know that this is also resulting in imbalances when the women are not sitting at the table to make decisions, and majority of men are making decisions on how to destroy our earth. So our Diné men own an oil company and these kinds of things. And so here, there has been an imbalance. So there is not harmony here. As we leave today, there's a problem. And I was in Montreal, and I remember in the final gathering, I made a statement about the lack of women, the lack of people of color, the lack of young people. And it's not just about women, it's also about the LGBT communities, indigenous, international, and all the other people who are missing here today. And so I leave again very disappointed in this forum, as I did in Montreal, because these things, if they are not corrected, there is an imbalance. And in my culture, the world, the universe must be balanced in order for harmony to exist. That would be the way for us as humans to live and to have a beauty, harmony, and we call it hojongo in my language. And so without this balance in every aspect, not just women, but also the youth, the other communities, consideration of the plants and the animals, and those who speak for them, we are, as a movement, are not going to move forward. And so I think this forum needs to take a strong look at this imbalance, and maybe when we begin to address this, when we see more youth, when we see more international communities and indigenous people from all countries, all continents, maybe we might see success in our movement. And this is something I wanted to say, is that I repeat the same thing I said in Montreal, and I'm sad to say this because I was hopeful and I said I would not come back and I would not bring my people into this circle, because it is not a safe place to bring people if this exists. So I just want to stress that it's important for everybody in all of our work to educate ourselves on whose land you're on, who are your neighbors, and maybe the next time, don't think about bringing the older generation, but to fund and to, maybe this system cannot be fixed, maybe this cannot be changed. Maybe we look to the youth and we support them in their work.
and let the youth speak for themselves. So that is all I wanted to say here. And so as an Indigenous woman from my community, it is very important that we speak for ourselves and not speak for other people. And without them, everybody here to speak for themselves, we cannot have an equal gathering and move forward in a balanced way. And this is unfortunate because that means we have a long way to go before we win our fight against the nuclear monster. So, thank you. Juste pour dire que, en principe, le temps est terminé, mais on a encore 5 minutes de plus. Je viens d'avoir le feu vert de nos amis interprètes, donc j'avais un petit message important à faire, et puis après, je crois qu'il y a une motion à lire. Nous tenons, nous, le comité de facilitation, et je suis désolé de ce sexisme à l'envers, à remercier Monica Vicugal, qui a été justement notre salariée, et sans laquelle on n'aurait pas pu faire ce travail. Je ne sais pas si elle est là, mais vraiment un grand merci pour elle. C'est elle qui nous a permis de réaliser ce forum, donc on peut l'applaudir très chaleureusement. C'était une femme, il n'y avait pas d'homme, mais bon, ça arrive parfois. Et donc maintenant, tu voulais présenter quelque chose, vas-y. Et ensuite, on pourra clore, mais tu pourras le faire à ma place. Ok. C'était le fruit d'un atelier sur la santé des travailleurs. Nous pensons qu'il est important d'affirmer la solidarité de notre assemblée avec la base invisible du colosse nucléaire. Je veux parler des travailleurs du nucléaire et qui sont la plupart du temps sous-traitants, et donc avec ceux du Japon qui sont l'exemple le plus explicite de cette exploitation. Et propose une motion à envoyer de solidarité à ces travailleurs, les associations de nombreux pays rassemblés à Paris dans le cadre du troisième forum, s'affirment solidaires du combat de Arakabu-san, travailleur japonais du nucléaire atteint d'une leucémie. Les associations veulent ainsi rendre visible le procès exemplaire que mène ce travailleur sous-traitant sur le site de Fukushima Daiichi. Si sa maladie a été reconnue comme accident du travail, Arakabu-san se bat pour que les exploitants nucléaires, TEPCO et Kyushu Electric Power Corporation, soient reconnus comme responsables et indemnisent enfin les travailleurs malades. Donc je propose que soit envoyé, lié au communiqué final, et ensuite envoyé donc pour le soutien à ces travailleurs japonais. Maintenant pour c'est bien qu'on ait terminé sur les travailleurs. Et maintenant, pour clore avec la symétrie du geste d'ouverture, Raymond, notre amérindien, va nous faire un geste de clôture. Ben, le bon geste de clôture, c'est de se souvenir de son identité. Et mon identité est liée à la terre ici en France, comme elle est identifiée à la terre au Canada. C'est la même terre. Moi, je laisse la fermeture à Leona, qui est autochtone. Moi, je vais être en appui aux autochtones en France, comme aux autochtones aux soi-disant États-Unis, Canada, Japon. OK. When we, all of the work that we do, one of the issues that we're fighting is, I know as a woman and the things that we just talked about, you know, we expect a change in policy, we expect a change in standards, international laws. For example, reference man, the dose acceptable to a human being is based on a 35-year-old white European male. And we want to change this. We want to change these racist and sexist and ageist policies. And so, therefore, we must also change our movement and how we organize
if it is the same. And so I just want to repeat the words that I said earlier, that we, in order to win our fight, in order to come together again, I think we have to be balanced in our lives. And as Indigenous people, we have many beliefs and we have many stories that explain the human how humans came to be and also how humans will end. And so it is up to us to understand how do we operate and balance ourselves within the natural and the man-made world. And nuclear is not the way to do it. And so I want to thank everyone, because the work that I do, I am not an environmentalist. I do not do the work for the environment. We are part of the earth. So we do not separate the environment from ourselves. We are made of water. We are from Mother Earth. And so what I'm asking is that we just remember this, and as we move forward in our work, that we balance our lives, we not just with the nuclear fuel chain work, but in every aspect of what we do. And so I just want to say thank you to Stone for allowing me to have a couple of words, and to quickly say that we all have a safe trip home. And in my culture, just the quickest final prayer, we always end to say a prayer very quickly. It's not a full prayer, but so we want to have harmony and peace again. Il n'y a juste pas de choix maintenant. On arrête, à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales. Ça ne sert plus à rien. Ça coûte trop cher, c'est dangereux. Et militairement, c'est inutile. Donc maintenant, la seule décision pragmatique, c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.